commencer la soirée. On va commencer la soirée par une ouverture avec un show. Un petit show. Elles sont prêtes ou pas? Alors, deux secondes. Deux secondes. Et je voudrais vous dire que Antoinette est une chorégraphe. Ok? Et elle a monté une troupe de danse qui s'appelle les Funky People, qui ont remporté un concours chorégraphique à Épinay la semaine dernière. Je vous demande de les applaudir. Ça rigole pas ici. Ça rigole pas. Bon, allez, on y va. On y va. Donc on commence la soirée avec un groupe. J'ai dit parce qu'il y a plus de filles que de garçons. Quand je suis mise en garde, elles nous viennent. Elles, je préfère. Ils viennent de Bonnières sur scène. Ils sont entraînés par la femme que l'on appelle mini-mix du groupe No Blaze. Vous connaissez le groupe No Blaze avec Francois, champion du monde, House Dance, etc. Donc là, c'est les enfants, c'est les petits-enfants. Faites un maximum de bruit pour le groupe que l'on appelle. Thank you.
vous prend jusqu'au bout. Bravo à elles, on les applaudit encore, les Dupuis de Molière, entraînées par Winnie Mix. Ok, juste une petite information. Alors, le samedi 30 avril, il y a notre frère 620 qui organise un battle humanitaire. Comme vous le savez, nous vivons une actualité dont on ne peut ignorer. Nous, notre position dans le hip-hop et aussi la position de l'organisation de ce battle humanitaire, c'est pour la paix entre les peuples ukrainiens et russes. Donc, cet événement se passera le samedi 30 avril de 14h à 18h. Catégorie 2 contre 2 en breaking. Il y aura aussi du all-style, 2 contre 2 aussi, avec un droit d'entrée, bien sûr. Et où vient pour. Oui, excusez-moi, je m'embrouille un peu parce que c'est avec beaucoup d'émotion que je lis ce message. Le droit d'entrée, c'est soit des denrées alimentaires ou produits de première nécessité. Voilà. Le lieu, c'est à la MJC des Hauts de Belleville. Et l'inscription, vous pourrez le voir avec 620 qui est là. Mais non, on va te faire la présentation après, bien. Donc voilà, un grand monsieur, un grand monsieur. Et comme on dit... Tout mon travail. Et comme on dit avant de commencer la compétition, on a notre rituel. Notre rituel qui fait qu'on va communier tous ensemble, spectateurs, danseurs, DJ, techniciens, tout le monde. Alors je vais vous demander de répéter après moi, s'il vous plaît. Paix ! Plus fort, plus fort. Paix ! Respect ! Unité ! Fraternité ! Sérieuse, on commence la qualif. Ah, bien sûr. Par les ladies. Pour commencer la qualif, il nous faut des juges. Et là, nous avons la crème de la crème ici au mur rose. Ça fait tellement plaisir de les annoncer. J'ai l'habitude d'être sur scène avec eux, mais là, ça va faire bizarre. Il faut qu'on fasse une présentation digne de leur niveau. Premier juge, il nous vient de Grigny, Saint-Geneviève-des-Bois, et représente. Le croc légitime. Non. Mais j'allais dire. Liaison fatale, inestime. Il fait partie de la troisième génération des B-Boys. Troisième génération de B-Boys. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour l'homme que l'on appelle. Un maximum, maximum. Si ça va. Un maximum de bruit. Là, je sais pas, moi je. Ok, on enchaîne. On enchaîne. Notre deuxième juge. Deuxième juge.
C'est personnel, j'ai envie. Je regarde plus mes notes, c'est fini, il n'y a plus de notes là. Lycos, j'ai besoin de d'émotion. Quel professionnel. C'est la big girl qui a inspiré presque toutes les big girls d'une grosse génération. C'est la première qui a ramené la féminité dans b-boying. Il y en avait des autres, mais il faut dire la vérité. Elle fait partie du groupe Wanted Pussy. Faites un maximum de bruit pour, je veux dire, la diva qu'on appelle Baby Sun. Mesdemoiselles, hein, le break est au féminin. Alors, pour le troisième jury, on l'appelle Iron Sou. Iron Sou, ça veut dire esprit d'acier, de fer. Et vous allez comprendre pourquoi. Très important. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je laisse les images parler d'elles-mêmes. Because I can't escape the gravity. Falling in love.
Hey!
Jury. À la 1. À la 2. À la 3. Maximum de bruit pour Bigger Rosa. Mais les filles, je comprends pas. Pourquoi vous jouez les timides comme ça alors que vous arrachez tout sur le sol là, hein? On enchaîne. On avec enchaîne. Le prochain battle. J'appelle Big Girl. Lali représente SNC Crew, la ville de Caen. Face à elle, Big Girl Cléa. Let's go les filles. Bon, mesdemoiselles, la bouteille ou bien la confrontation psychologique? On enchaîne avec DJ comme ça. C'est parti. C'est pas moi, c'est plus haut.
plus, oh, c'est pas moi. Oui. Donc, B-Boy Matteo sur ma droite, B-Boy Tomao sur ma gauche. C'est parti les gars, vous êtes chauds. On part avec DJ Cléon. C'est parti. Let's go, let's go. Allez.
guerre. Ne sera pas celle de demain. Antoinette, Antoinette, tu me quittes ou quoi? Ça y est, tu fais déjà des infidélités. Non, non, moi, franchement, moi, le public, en fait, depuis tout à l'heure, c'est dur d'être derrière le micro. Tu sais, j'ai envie de crier à chaque fois que je vois un truc. Waouh! Mais je veux pas. Donc, vous allez devoir crier pour moi, le public. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais les petits bouts, là, comme je l'appelle, ils ont 14 ans, ils tournent sur la tête, font des choses. Et vous, quand on dit que c'est normal, c'est pas normal. Donc, c'est pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour leur donner encore plus d'énergie, comme ça, dès qu'ils rentrent sur scène, ils nous envoient encore plus. Maintenant, on va accueillir un chant. Oui, ils nous viennent d'Auberge en Vie. Et on les appelle les Manimal Crew. Faites un maximum de bruit pour les Manimal Crew. Attention, il y a des fonds dans l'air. Oh, oh là 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 là, je vous ai rien fait moi. Je rigolais. Hein.
animal. Un maximum de bruit. Bravo les enfants. 2028, ce sera vous là, Canita. Oui, non. Oui. Oui, oui, oui. Merci les enfants. Merci au coach. Charlotte, Laura, Liti, Touti, Nico, Manu, Tine, Elio, Quentin, un maximum de bruit. Les bigueurs, elles sont prêtes. Ben oui, elles sont prêtes. Elles sont impatientes. Elles bouillonnent. Elles veulent tout arracher. Elles veulent qu'à la fin, il n'y ait plus de sol. Ok. Camille contre Maïane. J'appelle Bigger Camille. Yé, yé, le représente Champigny. Face à elle, Bigger Pipoca. Représente Moon Rainer. On part avec DJ Créant. 4 power and the place to be. De passage. À la 1, à la 2, à la 3.
Est-ce que ça va les bureaux? C'est vrai qu'on vous a même pas demandé si ça va ou... Ça va là-haut? On ne voit pas en fait. Ah ça... Ah! Excusez-moi de vous avoir réveillé là. Okay. On va enchaîner avec un show. Un show qui va nous ramener la chaleur. Encore une fois, c'est les enfants du pays aussi. Entraînée par la grande dame que l'on appelle Marie Mendy de l'association Kéan, fait un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Kéan. Come on, 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 come on
qu'on appelle Marie Mendy, qui a formé beaucoup de danseurs comme moi. Je vais vous inscrire en prof de danse. Oh là 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 là. Ça va, Bito. Hey, franchement, les bureaux, vous pouvez être fiers magnifique. De vos enfants, vous pouvez être fiers de vos mamans, vous pouvez être fiers de vos papas, vous pouvez être fiers de vos frères, de vos petits frères, vous pouvez être fiers de vous, maximum de vous les bureaux. Ouais. Moi j'allais dire tout simplement fier d'être Muriotin, voilà. Eh oui. On merci va rappeler vos beaux juges, vos brochettes de juges. On va rappeler Baby Sun, Six Savants et Iron Soul. Ouais, il faut vous remettre, hein. On reprend le break, là. On enchaîne avec les demi-finales, plus de 16, B-Boy. B-Boy. On va... Alice. J'ai fait qu'une seule demi-finale. C'est pour ça qu'ils m'ont regardé, il était là. Vous faites des signes, moi je ne comprends pas encore là. Excusez-moi. On parle en place des signes. Quoi, je te vois ça. C'est-à-dire que tu t'es trompé. Pardon. Deuxième demi-finale, Big Girl. J'appelle Big Girl Sophia face à Big Girl Louise. Un maximum de bruit pour les ladies. Ok. DJ. Soupa, cette terre. We'll be right back.
Ah oui! J'aime très envie de savoir.